Ça picote! Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une nouvelle vidéo. Ce sera pas ma préférée que je vais pas faire tourner, bref, ça c'est sûr. On va pas passer par quatre chemins, je stoppe. C'est ciao quoi. C'est ciao! Et en fait, là les gens pourraient se dire: pourquoi tu stoppes, trou du cul? Voilà, la question maintenant c'est: qui se pose ce genre de questions? Dans tous mes abonnés, personne ne se pose cette question parce que 95%. 95%, ça vient de quoi? Des shorts. Voilà. Bon, on pourrait se dire, mais c'est super ça! Bah non, parce qu'en fait, quand tu vas voir, genre en mode dans YouTube Studio et tout, tous tes trucs, tu peux voir de quelle région les gens regardent. Et il se trouve que, entre les 80% de Français, il y en a pas 100. Il se trouve qu'il y a genre 5% d'anglais et 2% de japonais, je déconne pas. Et il reste encore des pourcents, mais je sais pas, c'est des pays genre le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan. En fait, le problème, c'est que si on compte ce truc-là, genre qu'il y a de mes abonnés qui sont japonais et d'autres qui sont anglais, en fait, ben je vais... mes shorts, si je dois faire pour tout le monde, mes shorts, ce sera comme ça. Et yo les gars, moi c'est Space. Hi everyone, my name is Space, and today we are going to talk about Spider-Man. Let's go, motherfucker, bang, bang, bang. Merde, konnichiwa, watashi wa Space, yoroshiku ne. Aussi un autre problème, mon contenu il est trop aléatoire en fait. Un coup je poste un edit d'animé, un autre coup je fais sur un jeu vidéo, un autre coup je fais une vidéo d'un voyage, un autre coup je fais une vidéo qui dit que je rencontrerai Raiton et Sora. Enfin bref, je sais pas comment dire quoi. Après forcément, si je dis que c'est les gens qui sont toxiques, bon déjà c'est pas ce que je pense, même si c'est vrai que... En fait, tu vois, c'est bien marrant de dire que la communauté française et tout sur la raison, on est la meilleure, on est la meilleure comparée à celle des autres, mais vous êtes la plus toxique entre vous-même. Vous trouvez ça normal? Ok, nous avec le Eleven All Stars, le JP Explorer, on démonte les Espagnols et le Pixel War et tout. On est plus fort qu'eux. Mais entre nous, j'ai jamais vu aussi toxique. Tu fais un truc sur un jeu. T'es gaze? Tu fais une autre vidéo parce que t'as envie de faire un truc et du coup toi pour toi c'est marrant et du coup tu postes. T'es gênant? Surtout évidemment parce que vu que les gens qui écrivent ces messages ils ont tellement une vie importante et tout, ils ont même pas le temps d'écrire gênant en entier, ils écrivent GNT. Vous me croyez pas? Tu fais une vidéo sur un jeu vidéo que t'aimes bien, mais bon, pour que ça soit plus spectaculaire, pour que les mouvements soient mieux, tu fais contre des bots, par exemple sur FIFA, vidéo que j'ai fait avec Mbappé. Les gens, au lieu de dire, en vrai, cool, le joueur, il a l'air bien, il s'est stylé, ils disent, ouais, pour après, c'est contre des bots, c'est contre des bots, donc il dégaze, donc il dégaze. Vous me croyez toujours pas? En 2 ans de YouTube, je me suis un peu habitué à force, tu vois, les trucs comme ça. Et le pire, c'est que si je dis ouais, je reviendrai sur YouTube perso quand la communauté française, eh ben, ils seront moins toxiques. Si je fais comme ça, ben j'ai peur de juste ne jamais revenir. Bon après, de toute façon, j'arrête. Hein. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos, à chaque fois j'essaie de faire sur un jeu différent. À force, ça commence à être limité là, mon espace de jeu, hein, franchement, même. Et en plus, j'ai pas envie de faire des vidéos juste pour dire que je fais des vidéos. Parce que faire des vidéos, c'est sûrement la chose que je préfère le plus faire dans ma vie. Tu vois, j'adore, c'est trop bien. Le problème, c'est que quand j'ai pas d'idée, forcément, et ben, je suis comme ça chez moi. Yay! Yay, allez, gagne la course! Let's go! Allez, les gars, on va faire top 1. Allez! Yes! Trop drôle, les gars, j'adore jouer avec vous. Allez, ciao! Faudrait que je fasse une vidéo sur un jeu. Mais lequel en fait? Bon, je verrai la semaine prochaine. Putain, mais faut que je fasse un jeu là, mais je sais pas jouer à quoi là. Comment je vais faire? Je vais pas faire une vidéo tous les 6 mois. Putain, je fais comment là? Je vais pas faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Sérieux quoi, genre putain, mais je sais pas, j'ai déjà joué à presque tous les jeux que j'ai, alors j'en ai 130. J'ai pas envie de faire un short d'animé, frérot, ça va faire le 5e du mois là. Ça me saoule. Bah juste, j'en fais pas. J'en ferai une dans 6 mois, bien sûr. Voilà, nickel. Super. Ouais, ça c'est plus mon problème, mais bref. En gros,
c'est pas assez organisé. En fait, vraiment, genre, j'ai débarqué à l'aveuglette. En plus, dans ma dernière vidéo, je vous avais déjà donné un petit indice, hein. Et sur ce, ciao. Ciao. Du coup, voilà les gars, j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Avant qu'on termine pour de bon, n'oubliez pas de liker, vous abonner, mettre la cloche. Ça soutient énormément la chaîne, même si bon, voilà. Et sur ce, ciao. Adieu. Peut-être. Et yo mes araignées, c'est l'arachnide. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo présentation. Yo. Salut. Wow, pas d'insulte, monsieur. Ok, c'est bon, ça s'est enfin installé. Oh là, il trahit les ordres. Du coup. Ok, là c'est tranché, d'accord. Pas faire n'importe quoi. Ah, la famille oiseau est si fort. Non. Oh, voilà. Oui. Les gars, j'ai écrit une petite chanson. L'animus est très grand. Comme ton anus. Y'a putain, y'a quelqu'un qui a la reine gate. Thompson. Non, non, dégage, Thompson. Allô? Oui, bonjour madame. Avec vous, bon, c'est une gestion de compte de format. Go! Let's go! Tombez sur moi! Les moches en plus! C'est chauffeur ça. Ah. Arrive, et là je vous mets l'extrait. Salut. Alors attends, t'as-tu arraché ta coque de téléphone ici? Alors, ah, ça va ouais, bah oui. C'est chaud. Est-ce que tu veux, moi? Parce qu'en fait, putain, en fait, j'ai attrapé le Covid. Voilà, je l'avais jamais voulu me tuer avec une flèche, fou. On va pas passer par quatre chemins, je stoppe. C'est ciao quoi.